que ben on fait un débrayage de 3 heures, depuis 9 heures jusqu'à 12 heures. Ben, c'est pour le soutien de notre directeur opérationnel qui est convoqué tout à l'heure à 11h30 pour une sanction, voire un licenciement. Donc, comme l'ensemble du personnel, une grosse majorité du personnel voit le travail de ce monsieur-là qui a été mis en place depuis son arrivée, déjà un peu plus de 7 mois, on sent la compétence de ce monsieur. Donc, on veut le soutenir par rapport à cette convocation de tout à l'heure. Donc, sachant que, pour information, c'est le troisième directeur opérationnel qui est en place, qui veulent licencier. Il y a eu auparavant un monsieur Dijou Emery qui était pareil licencié, madame Paul Payen-Agom qui était aussi licenciée. À chaque fois, c'est des recrutements faits par la gouvernance de Solia. Et le dernier en date, monsieur Pibroc, la présidente nous a bien dit qu'il y avait beaucoup de candidats et le choix était compliqué, donc ils ont choisi ce monsieur-là. Et aujourd'hui, on ne comprend pas pourquoi ils veulent le sanctionner et voire le licencier. Pour information, il a été quand même. On lui a proposé une rupture conventionnelle qu'il a refusée. Il a fait sa contre-proposition qu'ils ont refusée. Et une semaine après, il reçoit un courrier comme quoi qu'il est convoqué pour un entretien préalable pour un futur licenciement. Donc nous, aujourd'hui, on veut soutenir et on est là pour ça. Et s'il faut après partir un peu plus loin, pour rappel, on a fait quand même une grève de 7 mois pour dénoncer cette gestion opaque et aberrante de Solia. Et pour preuve, on a pu quand même avoir un audit. Et cet audit-là n'a jamais été voulu transmis à l'ensemble du personnel. Chose qu'on a demandé à la présidente qui n'a pas été faite. Et pareil, moi, les derniers bruits que j'ai eus, c'est pareil, le conseil d'administration aussi a demandé cet audit-là que soit restitué pour qu'il prenne connaissance. Ça n'a pas été fait.